à tous et bienvenue sur le plateau de Téléfoot, l'after au sommaire de notre after ce matin. Notre débat sur le match, retour entre Paris et le Real Madrid. Cette question, le PSG va-t-il le faire? Bien joué Vicente. Notre rubrique fiction, et si le PSG refaisait le coup de 1993. Et puis nous avons passé 24 heures avec Rafik Guitane, qui est la pépite avraise, acheté 10 millions d'euros par Rennes. Thomas Mekich nous fera jouer dans cet after avec un quiz, vous pouvez l'applaudir. Notre invité, le héros de Chambly, Lassana Doucouré. Notre débat concerne donc le PSG Real de mardi. Premier élément, Charlotte, le sondage. Le Paris Saint-Germain. Va-t-il le faire? Voilà, exactement. Regardez cette petite question à laquelle il faut répondre. PSG va-t-il se qualifier face au Real Madrid? Oui ou non, vous avez quelques minutes pour y répondre sur nos réseaux sociaux. PSG Real, Paris doit donc remonter 2 buts. Avant notre débat, on s'est demandé dans notre rubrique fiction si le PSG pouvait refaire le coup de 1993 en Coupe de l'UEFA. Battu 3-1, le PSG s'était qualifié 4-1-1. Le premier récit de Jean-Romain Gaudriot. Et si le PSG refaisait le coup de 93? Après l'ouverture du score de Youri Berchich et profitant de la blessure de Neymar pour intégrer le groupe du PSG, Hatem Ben Arfa inscrit le but salvateur des Rouges et Bleus dans les ultimes secondes de la partie. Ouais, oh oui, ouais. 2-0, score final, les Parisiens peuvent exulter. Paris est magique, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh. 25 ans après l'élimination du Real par la bande à Ginola, la ville de Paris se retrouve en liesse et le Parc des Princes se fait renommer Parc du Prince Hatem. Malgré la qualification, Unai Emery est limogé. Voilà, qu'on t'envoie plus ici, hein. Et c'est Antoine Kumbuaré, héros de 93, qui fait son grand retour sur le banc parisien. Il ramène avec lui son milieu de terrain Marcus Coco et signe enfin un vrai gardien en la personne de Sergio Rico afin de former la paire Coco-Rico dans l'effectif de la Ville Lumière. En finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé inscrit un triplé face à Manchester City et offre une coupe aux grandes oreilles tant attendue au PSG. Alors, suffisant pour que Daniel Leclerc ne se trompe plus? Avec Taylor Moore, c'est vrai que c'est un grand moment. C'est pas Taylor Moore, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian, pardon, excusez-moi. Cocorico, PSG, ouais. Ça vous plaît, ça? Ça fait mon dimanche, aimé, ouais. Là, ça va faire mon dimanche, je pense. Notre débat, donc, le PSG... peut le faire. Va-t-il le faire? Non, au stade des interrogations. Bon, déjà, dans quel état d'esprit faut-il se mettre, Vicente? Je vais le répéter encore une fois. Neymar, on s'en tamponne. Voilà, c'est ça. Le... C'est vous qui en parlez. Hein, Non, mais si tu es joueur, parce que on en... toute la semaine, c'était du Neymar. Ouais. Pour les joueurs, c'est vraiment un problème dans le sens où tu ne te concentres pas sur ton équipe, sur les joueurs, sur le talent que tu as et comment tu vas faire pour poser des problèmes à ton adversaire. Donc, c'est très important de se concentrer là-dessus, de se dire que Di Maria est en pleine bourre, que Cavani et Di Maria, ça fonctionne très bien ensemble. Mbappé peut-être va jouer un peu plus simplement parce qu'il avait tendance un peu, je trouve, avec Neymar à essayer de se mettre au niveau et parfois à surjouer un petit peu. On va revoir la composition de l'équipe probable d'ailleurs pendant que vous êtes. Et donc, au final, d'avoir une attaque plus collective et peut-être plus efficace, peut-être. Ensuite, ton milieu de terrain, il est très important. Moi, j'ai vu que Thiago Motta rassurait Rabiot et Verratti, les libérait même. Il leur permettait de jouer un peu plus offensif. Verratti est meilleur avec Motta. Je trouve. Ouais, je trouve. Et tactiquement, il est, c'est le joueur le plus intelligent au milieu de terrain. Il arrive à faire le bon équilibre attaque-défense. Il protège bien sa défense. C'est un super relanceur. Donc, je pense qu'au début du match, il faudra avoir le contrôle. Et après, je fais rentrer Diarra. Parce que Diarra, il n'a pas d'automatisme avec Verratti et avec Rabiot. C'est un bon récupérateur de ballon, mais il n'a pas ces automatismes-là. Donc, je veux de l'automatisme. Et après... On revoit justement la composition de l'équipe une nouvelle fois. Berchich ou Kurzawa? Berchich. Je trouve que défensivement, il est plus costaud. Je trouve qu'il est plus combatif. Et je préfère partir avec lui. Et Daniel Alves ou Meunier? Moi, je trouve que Meunier ne joue pas assez. Je trouve qu'il est très méritant. Joueur. Il est très méritant. À chaque fois, il n'a aucun état d'âme. Simplement, Alves, tu l'as pris par rapport à son statut, par rapport à son leadership. Et à un moment donné, si tu ne mets pas
les leaders d'une équipe et les soi-disant grands joueurs de ton équipe pour les grands matchs, c'est que tu t'es planté. Donc il faut aller au bout de l'histoire, et pour moi aller au bout de l'histoire, c'est mettre Thiago Silva qui a été aussi critiqué par rapport à son leadership, par rapport au fait qu'il ratait les gros matchs. Mais à un moment donné, c'est ce match-là, il te faut ses leaders. C'est pas très juste vis-à-vis, je trouve, de Meunier, parce que je pense qu'il aurait pu être mis un peu plus en concurrence avec Alves. Mais t'as pris ces joueurs-là, t'assumes jusqu'au bout, et à eux aussi d'assumer leur statut sur les grands matchs. Je parlais de l'état d'esprit. Lassana, est-ce qu'on peut comparer avant votre quart de finale face à Strasbourg en Coupe de France? Dans quel état d'esprit vous vous étiez mis pour réaliser l'exploit? Non, on était tous stressés quand même. C'était la première fois qu'on arrivait en quart de finale. Et plus le match approchait, plus le stress arrivait. Il y a eu des mots qui ont compté dans le vestiaire juste avant de sortir sur le terrain. Ouais, on savait qu'on pouvait le faire. Sur un match, tout est possible. Et les paroles du coach et de mon frère capitaine nous ont motivés à 100%. Le PSG, en tout cas, qui va recevoir au match retour, c'est assez rare. C'est arrivé que deux fois dans l'histoire récente du PSG en Ligue des Champions. C'était en huitième de finale en 2013 et en 2014. Est-ce que c'est un réel avantage, le Parc des Princes? De recevoir au retour? Oui, c'est un réel avantage, bien sûr, parce que tout va se terminer là et que tu as l'appui de ton public qui peut déstabiliser un adversaire. Alors, je ne sais pas si ce Parc des Princes-là déstabilise parce que ce n'est plus le Parc des Princes avec une ambiance de folie, les spectateurs font plutôt des selfies que réellement chanter et mettre de l'ambiance. Non, mais c'est vrai, c'est un peu la tendance au Parc des Princes. Hein. Donc ça met moins la pression. Mais c'est important d'avoir l'appui de ton public quand même, au retour. Vous ne pas encaisser de but, surtout ça. Oui, mais tu peux, malgré tout... Non, justement, il ne faut pas se dire ça, parce que tu peux prendre un but et tu gagnes 3-1, et puis voilà. 4-1, l'histoire se poursuit, prolongation, voilà. C'est pas terminé. Il faut imaginer tous les scénarios possibles. D'ailleurs, contre le Barça la saison dernière, la mauvaise préparation de ce match-là, c'est de ne pas avoir imaginé tous les scénarios possibles et d'avoir paniqué parce que t'as pris des buts. Si tu prends un but, il n'y a pas de panique. 3-1, c'est possible. Ils peuvent marquer 3 buts. Ouais. Fait prolongation, il y a pénalty, il y a un quatrième but que tu peux marquer. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Pour clore ce débat, le PSG va-t-il se qualifier? L'heure des pronostics que vous adorez tant. Vicente. Moi, je crois que, paradoxalement, ça peut responsabiliser, l'absence de Neymar pour responsabiliser les autres. Et on a tellement parlé de Neymar que j'ai eu le sentiment à certains moments que du coup on prenait les autres pour des joueurs lambda. Et c'est peut-être l'occasion de montrer que le Paris Saint-Germain sans Neymar a la capacité de faire un grand match. Par contre, gagner la Ligue des Champions, je ne suis pas certain, mais faire un grand match, je pense qu'ils sont capables de le faire en se mettant en ordre de marche avec ceux dont j'ai parlé en attaque, au milieu et en défense. Voilà. Le truc, c'est que je n'arrive pas à mesurer l'absence de Modric et de Kroos. L'impact que ça va avoir pour le Real, parce que je pense que ça risque de leur poser aussi mais certains problèmes et de les déstabiliser aussi. Ah oui. Vous aurait saoulé d'être joueur dans ce PSG avec Neymar? Ça m'aurait saoulé, ouais. Ouais. Il aurait mis une claque comme un Mataos. Non, mais je trouve qu'il gère pas bien le truc. C'est vraiment... Neymar est au-dessus d'institutions, j'en ai parlé, et au-dessus d'institutions Paris Saint-Germain, c'est une équipe. Et c'est une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Et je trouve qu'ils surcommuniquent. Alors, ils s'en servent aussi parce qu'ils ont un déficit de notoriété par rapport aux autres équipes européennes partout dans le monde. Aux autres grandes Europe. Mais on ne parle que de lui. Ouais. Et tu vois, par exemple, je trouve que Cavani, il est isolé, alors que c'est un leader d'attaque extraordinaire. Il est charismatique, il est adoré par le public, il a une mentalité qui est irréprochable. Et c'est lui qui t'emmène. C'est lui peut-être qui va te faire gagner ce match contre le Real Madrid. Quand j'avais dit il y a deux minutes pour clore ce débat, le PSG va-t-il se qualifier? J'attendais un oui ou un non. Vous avez un petit peu développé. Ça, c'est ton question. Lassana, est-ce que vous y croyez? Je pense pas. Non? Non. C'est un non? Donc c'est plutôt un oui, Bichente? Non, c'est pas plutôt un oui. Non, mais j'ai pas de... Excuse-moi. Il n'aime pas le oui. Il n'aime pas le oui. Non, mais j'ai pas le oui. Non. Je peux pas, je suis pas devin. T'aimes pas quand je te dis ça? Je te dis ce que le Paris Saint-Germain doit mettre en ordre de marche et pour comment le faire. Psychologiquement, ils doivent se préparer pour le faire parce que s'ils le font, ils peuvent le faire comme ça. Je ne sais pas s'ils ont les armes pour le faire. Je ne sais pas comment dans le vestiaire ça se passe parce que, je te dis, la gestion de Neymar, Thiago Silva qui est un peu sorti, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Emery, pourquoi il le sort? Il n'a pas confiance en lui? Il y a plein de sujets. Tu vois, parce que s'il ne se qualifie pas, par contre, je suis certain que ça va clairement être le tremblement de terre au Paris Saint-Germain. Lassana nous a dit non. Charlotte? Moi, je dis oui.
Thomas. Victoire du PSG, qualif du Real. Ah ouais, toi, t'es monsieur précision, quoi. Et on verra le résultat du sondage en fin d'émission. Avant de passer au tweet de la semaine, Timothy Weah a donc joué hier son premier match pro avec le Paris Saint-Germain, 23 ans après son papa. Alors, avait-il la pression de marcher sur les traces de papa? Réponse au micro de Choucine. Non, pas du tout. Ça me pousse un petit peu plus parce que je sais qu'il a fait des très bonnes choses ici et moi, j'ai envie de faire la même chose. Et merci au coach, merci au staff pour avoir donné la chance pour jouer cette soirée avec une très bonne équipe, contre une très bonne équipe de Troyes. Et j'espère dans le futur, tout va bien passer et bientôt je vais commencer à marquer des buts. Est-ce que vous avez vu votre papa par message peut-être après votre match ce soir? Non, j'ai parlé avec ma mère, elle a dit sois pas peur, juste en jeu et tout va bien passer. Continue à travailler et Dieu il va donner. Merci beaucoup. Un grand bravo à Timothy. Il a une belle occasion. C'est vrai, ouais, c'est sûr. La prochaine. C'est la belle histoire là, qu'il la mette là. La prochaine, ouais. Il la mettra au fond. Les tweets de la semaine, Charlotte. On va commencer avec un enfant costaud, solide, forcément. C'est celui de Cristiano Ronaldo. Il a posté cette photo cette semaine. Lui aussi, voilà, on attend son premier but. En disant que, voilà, il a dit à son père qu'il voulait être comme lui. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, on en pense qu'il est sur la bonne voie, hein, quand même. Hein, parce que c'est pas bon de faire de la muscu trop jeune. Comme très ça. Musclé, oui, ah, en plus, c'est vrai, avec l'appareil derrière et tout, ça fait très, très peur. Je l'ai fait, photo. Ça m'a. C'est vrai, et du coup, on a vu le résultat. Hein. Du coup, c'est voilà, Thomas Mekich Junior. Comment faire la muscu quand il y a la croissance? Vous aimez bien les blagues ce matin, j'ai l'impression. Bah, regardez, il y a une petite vanne de Thomas Meunier. Encore bien présent ce soir, c'est à l'issue du match face à Troyes. Trois peu importants à l'aube d'un match décisif. Ok, c'est pourri, la Ligue 1 est à nous. Il s'aventure dans les blagues, je me demande si c'est pas vous qui lui écrivez ces petites blagues. Et puis du coup, on a vu votre compte fake aussi il pour faire marrant. Des blagues. Il est plutôt marrant, il est drôle, compte de presse, en fait, Meunier. Ouais, un bon client. Atypique. C'est vrai. D'ailleurs, c'est lui qui a dit, je crois, dans conférence de presse, il a dit, bon, Neymar, on s'en fout un peu. Ouais, il a dit, j'en ai marre, ouais. J'en ai marre, oui. Oh là là. Là. On continue. Non, celle-là, elle est vieille. Celle-là, elle est vieille. Allez, on continue dans les blagues. Allez, regardez, c'est le conte de la crème. On suit de près les aventures de Neymartine. Neymartine se fait une entorse en terreau externe de la cheville droite associée d'une fissure du cinquième métatarsien. Bon, alors c'est vrai que comme ça, c'est un peu violent, mais bon, il y a eu pas mal de détournements sur les réseaux sociaux. Plus sérieusement, on voulait revenir un tout petit peu sur cette blessure-là, avec un point important. C'est surtout que Manuel Neuer a été également blessé de cette même blessure. Donc il a eu lui aussi une fissure au niveau du métatars. C'était le premier métatars, je crois, à la cheville gauche. Ça fait un an pratiquement qu'il n'a pas rejoué. Il a rechuté près d'un an. En avril, il a été opéré en septembre 2017. Non, il me semble qu'au départ, ils n'ont pas voulu faire d'opération. Non, ils n'ont pas voulu faire d'opération. Donc, il a été re-blessé à l'entraînement. Il a rechuté. Entre avril et ensuite, il a été opéré. Exactement. Et ça a mis beaucoup de temps. Et ça fait beaucoup de temps. Ouais. Et là, on l'attend d'ici un mois. Est-ce qu'on est inquiet au Bayern, en Allemagne, pour Manuel Neuer? Ben, écoute, ils font ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils appliquent la positive attitude. Avec le gardien qui est le remplace et qui se débrouille très très bien. Et il reviendra quand il faut. Mais c'est sûr que quand t'as Neuer dans les buts, quand t'as un gardien de ce standard-là, ça change beaucoup de choses en Ligue des Champions quand même. On l'a dit dans Téléfoot, vous avez eu aussi le même type de blessure que Neymar. Comment ça se passe après l'opération, la phase de récupération, de rééducation avant de retoucher le ballon? Vous pouvez nous détailler les différentes phases? Je n'ai plus parlé de Neymar. Bah, ça met beaucoup de temps. On nous met une broche dans le pied. Et après, ça dépend combien de temps ça peut mettre. Mais moi, ça met plus de 2 mois. Parce que j'avais toujours une petite douleur, même quand j'ai retouché la balle. Donc, j'ai on recourt au bout de combien de temps? On retouche le ballon au bout de combien de temps? Moi, j'ai eu ça au mois de février et j'ai eu fin de saison, carrément. D'accord. Ouais. Il a repris qu'au mois d'août suivant. C'est ça. Voilà, un message qui va faire plaisir au Paris Saint-Germain et qui va faire peur à toute la sélection brésilienne. L'After qui vous fait découvrir les pépites de demain. Et le 31 janvier, Rennes a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant pour près de 10 millions d'euros Rafik Guitane. Alors, qui est ce jeune joueur qui va finir la saison dans son club formateur au Havre avant de rallier la Bretagne? Guillaume Poisson a passé 24 heures avec lui. Bonjour Téléfoot, c'est Rafik Guitane, 18 ans. On est actuellement chez moi au Havre et vous pouvez entrer. Rafik, il est quelle heure là? Il est actuellement 8h et c'est bientôt départ en entraînement. Bon, là, faut y aller alors. Faut y aller.
fait froid. Ça y est, fin d'entraînement ? Ouais, bah, comme vous voyez, c'est fini. C'était un bon entraînement, une bonne matinée, comme d'habitude. Là, je vous cache pas que j'ai un peu faim. On va aller manger avec les amis, des personnes du centre, et ils nous attendent. Ça va pas être trop dur de les quitter dans quelques mois, là ? Si, c'est pour ça qu'on passe plus de moments ensemble. On essaie de passer beaucoup de moments ensemble. Mais bon, c'est la vie, hein. On se retrouvera, je pense. C'est la pépite, on connaît. On connaît. On est fiers de lui. Il continue comme ça. Mais c'est la pépite. Ce qui me surprend le moins, c'est sa façon dont il est resté humble. C'est toujours le même. Et ça, c'est... C'est le Rafik qu'on connaissait. C'est le Rafik qu'on connaît. Vraiment, c'est... On est content de voir que malgré le prix du transfert, malgré tout ce qui s'est dit autour de lui, il est resté le même. Ça, c'est top. Ce transfert, comment t'as vécu tout ça, toi ? Je vous cache pas qu'au début, c'était difficile. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient, qui disaient de faux trucs. Mais après, j'ai su rester calme. J'ai patienté. Et ça s'est fait naturellement. Et... Je suis content. À bientôt. Moi, je vais faire ma petite sieste, qui est importante. Et au revoir, Téléfoot. Et Rafik Guitton reste en pré-Oir jusqu'à la fin de la saison avant de débarquer à Rennes. Il joue avec les U19 français, c'est l'un des meilleurs amis, d'Ousmane Dembélé. Il retrouvera en Bretagne d'ailleurs une autre pépite, Ismail Assar. Un avis sur Rafik Guitton ? Non, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'on a plein de pépites qui ont 18 ans et puis parfois on en a à 25 qui disparaissent, qui s'éteignent totalement. Et il y a un gros travail à faire. Et la dernière fois, on avait le président de Rennes qui était là, Olivier Létang, et qui me disait qu'il avait mis en place pour ces joueurs-là, au-delà de l'entraîneur de l'équipe première, un formateur dédié pour ces jeunes, pour les faire travailler. Parce que de 18 ans à 25 ans, il faut travailler ta technique, il faut débriefer des matchs individuellement, ton placement, toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est très important dans les clubs d'avoir ce type de gars. Ce n'est pas le travail de l'entraîneur. L'entraîneur, il a une équipe à mettre en place, il fait une préparation pour que l'équipe soit la plus performante. Mais après, faire un travail spécifique pour que toi, individuellement, tu progresses. Tu corriges tes erreurs, tu t'améliores techniquement, tu t'améliores éventuellement aussi physiquement. Et ça, c'est l'accompagnement qui est pour moi le plus important. Et je regrette qu'on ait autant de pépites en France à 18 ans et que malheureusement, à 25, ce ne soit pas le cas parce qu'ils partent parfois à l'étranger, qu'il n'y a pas cet accompagnement-là. Donc, ce choix-là, dans les conditions visiblement qu'il y a à Rennes, d'après ce que dit Olivier Létang, je trouve ça bien. C'est un bon choix. Ouais. Avant le premier quiz de Thomas, le buzz de la semaine, Charlotte. On va rester dans les blagues, hein, parce que je crois que vous aimez bien ça ce matin. Cette fois-ci, ça se passe à l'entraînement. Pas que ce matin. Hein. À l'entraînement du Petit Séville. On entend souvent des entraînements qui se passent mal, c'est mauvaise ambiance, qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires. Bien, regardez le préparateur du Betis Séville, préparateur physique. Avant un match, il leur fait un petit jeu. J'ai un tic-tic-tic, ce qui va bien faire Riyad Boudbouz, évidemment. Et tout le monde doit reprendre un petit peu comme le jeu quand on était petit, le chef d'orchestre. Tout le monde doit reprendre un petit tic comme ça, ce qui fait bien rire l'entraîneur d'ailleurs du Betis Séville. Et tu vas au centre et tu fais ton petit tic. Et ça détend, c'était juste avant une rencontre. Et évidemment, Riyad y allait également de son tic. C'est une bonne manière de détendre ses joueurs. Ah, c'est bon. Hein, on est d'accord que c'est plutôt pas mal, ça les détend. C'est parfait. Mais c'est ce qu'il faut, hein. Tu sais, parfois on parlait de pression justement. Il faut, sur les matchs importants, et pour eux c'est comme si c'était une finale, la pression elle est là, elle est naturelle, donc il faut trouver plein de petits moments comme ça pour désacraliser l'événement, pour sourire, pour être bien ensemble. Très belle technique. Le quiz de l'after, le premier quiz de Thomas pour finir cette émission. Thomas, je vous laisse la place, nous allons jouer. Hein. Il laisse le trône du roi. Non, la deuxième, je crois, on en avait fait un l'année dernière. Mais Fred n'était pas là. Demi-finale de Coupe de France, on va tester vos connaissances. Deux équipes,
vous deux. Contre vous deux, le public, on viendra vers vous si ces petits galériens là, n'y arrivent pas. Hein. pas hein. On reste bien concentrés. Est-ce qu'on a une petite musique pour accompagner la première question? Je voudrais, s'il vous plaît, l'entraîneur qui a remporté le plus de Coupe de France dans sa carrière. Un entraîneur français, évidemment. Laurent Blanc. Non, il a un autre record. Il a un autre record. Il en a plein de records, cet entraîneur français, notamment celui du nombre de matchs passés sur le banc de son équipe en Ligue 1. Ah, on l'a en régie, hein. on m'a déjà donné la réponse. Il faisait beaucoup de pubs. Il n'est pas tout jeune aujourd'hui. Giroud. Giroud, 1-0. Oh, mais oui, c'est Giroud. Bah oui, évidemment. Bah oui, il l'avait. 1-0 pour l'équipe de Lisa. Deuxième question, il va falloir vous réveiller. Hein. Lorient remporte la Coupe de France en 2002. Oui. Mais c'est une année particulière pour Lorient. Qu'est-ce qui se passe en même temps pour Lorient? Il gagne la Coupe de France, donc Lorient, j'entends déjà des gens qui l'ont dans le public. Ils sont relégués, bien joué, oui, Charlotte. Oui, Charlotte. Qui a des oreilles, vraiment, mais elle a des oreilles affûtées, elle entend là. Mais ça, c'est pas bon, ça. Hein? Pourquoi? Parce que c'est triché. Mais c'est triché de quoi? J'entends rien. Avec l'aide du public, il a dit, avec l'aide du public. Je me bouche les oreilles si tu veux, je réponds sans. Vas-y, mais il faut ça. Je suis désolé, Bichette. Allez, on continue, on a que 2 minutes. Jaloux. Qui est, s'il vous plaît, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France? Un joueur qu'on connaît bien. Zlatan Ibrahimovic. Non, ce n'est pas Zlatan. Cavani. Il a joué dans deux clubs. Un Parisien. Paoletta. Ça fait 2-1 pour l'équipe Fred Kalange. On enchaîne. Le meilleur gardien de l'histoire de la Coupe de France. Alors, je vous explique. Le joueur qui a disputé le plus de matchs sans encaisser de but. Il a le meilleur ratio. Match joué, là aussi, c'est Barthez. Un gardien qu'on connaît tous très bien. Gardien français. Il a joué dans différents clubs. Lama. En Ligue 1. Non, ce n'est pas Bernard Lama. Pas il, était, il était très fort au pénalty. Landreau. Ça fait Vicente, trois. Là. Oh, vous êtes en retard, là, les gars. Spécialiste des gardiens. Vicente. Meilleur buteur, s'il vous plaît. On en est à combien? On est à trois. Heureusement que Charlotte est là. Je suis. Excuse-moi, mais à un moment donné, il faut respecter les règles. Les règles, c'est ça, dans ta tête, c'est pas la tête des gens je qui veux, sont je veux un attaquant qui détient le record de buts marqués lors d'une finale de Coupe de France. Pas un attaquant qui a marqué le plus de buts en finale de Coupe de France, c'était sur un match. Il détient le record. Jamais un joueur n'a marqué autant de buts que lui lors d'une finale. On le connaît très bien aussi, cet attaquant. Il a joué en France. Il a joué dans un club que vous connaissez très bien, le Bayern Munich, par exemple. Jean-Pierre Papin. Ribéry. Papin. Papin. Ouais, c'est bon, c'est ça, c'est Jean-Pierre Papin. C'est Jean-Pierre Papin. 4-1, les gars. On enlève le 3-1, allez. Allez, on enchaîne. Non, mais qualifiant finale de la Coupe de France 2006. Je veux un buteur, s'il vous plaît. J'offre la victoire à mon équipe. Je suis un milieu de terrain. J'ai joué en équipe de France. Vicage de Rasso. Et oui, pour le Paris Saint-Germain. Il a un peu dit quand même, là, ouais, on va le laisser. On va le laisser pour le suspense. Allez, 4-2. Ça fait 5 minutes. C'est Dorasso, je l'ai entendu. Allez, la dernière question qui vaut triple. Allez, donner un petit peu de savoir. Elle vaut 3 points. Question de rapidité pour terminer. Qui est le plus vieux buteur de la Coupe de France cette année là, le joueur le plus vieux qui a marqué en Coupe de France? Benjamin Nivet. Mais oui, c'est Benjamin Nivet. Allez, c'est à 41 ans. On va gagner. Il y a les joueurs de Coupe de France et les joueurs de Champions League. C'est pas sympa pour votre voisin. On va justement conclure avec Lassana Doucouré, le buteur de Chambly face à Strasbourg. On va revoir pour le plaisir cette séquence où vous rentrez chez vous. Allez, on balance le magnéto et on va chanter encore une fois. Moi, j'ai une question. Vous étiez combien dans ce salon là? J'ai l'impression que vous êtes 30, 40. Vous étiez combien? C'était une vingtaine, là. Une vingtaine. Ouais. Il fait faire chaud. Ah, il fait très chaud. Ça s'est fini comment cette soirée? Parce qu'il est déjà plus de minuit là. Non, mais après, mes parents sont allés dormir et moi je suis parti manger avec mes amis. Voilà. Un barbecue dans la cour. Eh ben, on voulait encore vous féliciter. On est ravis d'avoir passé cette matinée avec vous. Et on va demander au public de chanter une dernière fois. On va se le remettre encore une fois cette séquence. Et on va chanter pour conclure. Allez, la sana. La 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 la. Merci beaucoup, Lassana. Merci Vicente. Bon dimanche à tous. Salut Thomas, Charlotte. Et à dimanche prochain. Bye bye.